Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chenille processionnaire. Eh non, faux, pas chenille processionnaire. Aujourd'hui frelon asiatique, encore une fois, hein, il s'insinue partout. Donc j'ai fait un nid il y a quelques temps derrière cette maison là, vous voyez là-bas là. J'avais fait un nid et j'avais aperçu les allers-retours, mais comme vous pouvez le deviner, c'est qu'ils peuvent aller très loin les frelons. Et j'ai une cliente de l'année dernière, j'ai fait un nid dans l'arbre que je vous montrerai tout à l'heure, qui est d'ailleurs ici, on va le voir, j'avais fait un nid dans cet arbre. Et là, ce matin, un appel pour un nid, a priori primaire, un démarrage de nid. Parce que samedi, ils sont venus voir la maison, il n'y avait rien, et aujourd'hui, il y en a un. Donc il peut se mettre partout, hein. Il peut se mettre dans les haies, dans ce petit arbuste, voilà. Sauf que le pépère, regardez où il est. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, vous ouvrez la porte, vous passez par l'entrée, vous sortez, mais vous faites attaquer clairement, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre que les ouvrières te sortent. Donc là, le nid, il a deux jours, hein, quand même. Mine de rien, il est comme une orange. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais le traiter à la poudre. Ensuite, je vais le récupérer avec le seau, laisser des petites particules de papier et repoudrer derrière. Voilà. Allez, à tout à l'heure lors du traitement.